Entre une femme politique assez usée et pas franchement honnête et un homme politique qui est la fin de l'Amérique. Euh, et avec tout ce renversement de vocabulaire habituel, parce que son slogan, c'est faire de l'Amérique une puissance encore plus grande. Or, c'est la fin, c'est la sortie de l'histoire de l'Amérique, l'élection de Trump. Et accessoirement, c'est avoir une marionnette de Monsieur Poutine à la tête euh, des États-Unis. Et, et, et la, la capacité de déstabilisation. Et la fin de la souveraineté que ça représente de la part de grandes puissances aussi autoritaires et malveillantes que la Russie sur cette élection, moi, me, me tétanise parce qu'on va l'avoir aussi sur la nôtre. Nous avons aujourd'hui des candidats qui sont soumis à l'influence russe et ça pèse. Et on n'en parle pas assez, à mon avis, dans les émissions politiques.